Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nasus, on est top. On est actuellement en game de qualif pour passer en plat de 3. C'est la deuxième partie de qualif. J'ai perdu la première. Et on est avec une Shyvana jungle, un Viktor, une Tristana, un Thresh contre Riven et Karim, Rumble, Ezreal et Yuumi. Je me demande contre qui je suis au top. Est-ce que c'est Riven? Est-ce que c'est Rumble? Est-ce que c'est Ez avec sa TP? J'aurais tendance à penser quand même plutôt Rumble. Mais ça peut être un peu compliqué, surtout qu'il y a de l'Ignite en face, alors que moi je vais jouer Fantôme TP. J'ai décidé de prendre Fantôme. Voilà, parce qu'avec Nasus, j'ai tellement l'impression de manquer des kills tout le temps parce que je vais pas assez vite, c'est très frustrant. Le flash peut être bien aussi pour mettre du flash coup de buveuse, mais bon, c'est pas le. Ça n'était pas mon choix ici. Hop! Bon, je rejoue en lock, ça va faire quand même beaucoup de bien. Ok, Rumble ici. Je pense que ce sera du Rumble top, très probablement. Je vais cover le raid tranquillement. Ils veulent quoi? Ils veulent fight là. Ah, si le Thresh il pose son grappin, effectivement, il peut se passer des trucs. Ils sont 4, ça peut le faire. Hein. Oh, dommage. Ça se tentait. Ça se tentait. Il faut savoir tenter des choses des fois. Je vais tranquillement venir sur ma top lane. Je vais essayer de jouer assez safe. Apparemment, Yuumi est vraiment très très forte dans la méta actuelle. À voir ce que ça va donner, j'espère qu'ils vont s'en sortir. C'est peut-être pour ça que le Ez a pris une TP d'ailleurs. Bon, nous on va se concentrer tranquillement sur notre farm buveuse. Ah oui, d'accord, on est déjà sur des dégâts de débile là. Me dis pas que je vais déjà crever quand même. Oh, putain, ça me saoule ce jeu. Bon bah je suis pas mort mais à l'aide quoi. En vrai je vais devoir back hein. Putain, Riven c'est un pick que je déteste vraiment. En vrai non, je vais pas back mais je vais me faire ouvrir quoi. Bon bah je peux pas farm. Bon, cela dit elle a lâché son ignite, je vais le dire d'ailleurs. Mais là je peux bah, je vais tout simplement pas pouvoir last hit. C'est vraiment un perso qui me sort par les yeux, Riven. Tu peux rien faire. Tu te fais carry ta mort. Pourquoi mon coup de buveuse est pas parti? Mais sérieusement! Bon, bah, c'est déjà mort pour la top lane. Ouh, premier stack buveuse. Nickel, deuxième vague de sbire. Elle fait quoi? On y va là sur la Riven ou. Moi je veux bien y aller hein, mais. Elle s'est stop, je sais pas ce qu'elle fait. Oh! La buveuse qui est pas partie pour le gros sbire, je deviens fou. Je deviens complètement fou. Je me la fais, on est d'accord là. Oh, je suis dingue. Je suis complètement fou. En plus, j'ai des IPS qui ont chuté. C'est super. Bon, bah, ça va être la game du tilt. Parfait. Je vais pas pouvoir jouer, hein. Très clairement. Est ici, je peux pas jouer tout simplement. J'ai pas de sbire, j'ai pas de farm buveuse, je suis pas dans la game. C'est fini pour moi. C'est complètement fini pour moi. On va voir si je peux quand même revenir dedans à peu près, mais là, je vais me faire. Il y a les Kaivas arrivés par derrière, je vais crever. Très simplement. Putain, Riven, c'est vraiment quelque chose, hein.
C'est vraiment quelque chose. Je m'en fous, je vais aller la chercher. Ah oui, allez, à une auto. À une auto, bien sûr, ça passe pas. Classique. Très classique. J'ai voulu changer une manière de record et je suis passé de 130 à 40 IPS. Autant vous dire que c'est pas génial. C'est vraiment pas génial du tout. Et là, maintenant que la game est partie, je peux pas vraiment retoucher ça. Hein. Ce sera pour la prochaine que je vais pouvoir améliorer un peu les choses. Bon, là, je vais perdre une année de farm à peu près. Alors, au top, je peux rien faire. Hein. Juste pas jouer. Putain, mais la portée d'effet de ces sorts là, c'est... Je comprends pas pourquoi c'est énorme comme ça sur Riven. Ça m'a toujours un peu déstabilisé, ça. Ça saute, ça te stun, machin, en gros tu te prends 40, tu te fais mettre mid life, t'as pas pu mettre une claque quoi. Par contre, la vérité est que si je crève, je suis fou. Hein. Bon bah je peux pas jouer. Je ne peux pas jouer, je vais essayer de pas trop filer et d'exister dans la partie, mais comme je peux, mais... Mais je peux pas play quoi, tout simplement. Je vais reprendre peut-être. Il va me falloir de l'armure en vrai, mais il me faut aussi des délais de récup en fait, sinon je pourrais jamais rien faire. Je sais pas, peut-être que je devrais partir plus sur de l'armure. Difficile à estimer. Eh, mais j'ai besoin de ma brillance en fait. Non, ouais. J'ai besoin de ma brillance, sinon je peux pas jouer. Bon, elle est level 6, elle a plus d'ignite. C'est vrai que mon choix d'item est peut-être pas ouf. Ça, je peux l'entendre. Ouais, j'ai eu un gros à la buveuse. Génial. On va essayer quand même de prendre un tout petit peu de farm. Je vais essayer de partir tanky dès que je peux, mais si je peux pas avoir de délai de récup pour farmer ma buveuse, je suis pas bien non plus quoi. C'est ça le souci. Mais effectivement, là peut-être que ça aurait été mieux de partir plus solide parce que je suis vraiment derrière. Je reconnais qu'il y a du bon sens là-dedans. Oh, elle, en fait, elle me saoule, je vais la all-in. Par contre, si elle me pète, la vérité que je vais vraiment pas aimer. Oh, putain, puis elle court, mais ça me rend dingue, mais à un point. Là, elle va arriver, puis elle va me tuer. Classique. Classique. Là, je peux plus lui faire face en fait. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud, il me faudrait 700 pour avoir la brillance, mais là. En fait, à tout moment, elle peut me tomber. Hein. À tout moment, elle peut me tomber. Est-ce que je peux avoir la brillance? Là, je vais pouvoir l'avoir. Donc, je vais back. Je vais essayer de pas crever, mais... Là, je peux back et revenir en TP, mais... Je vais jamais réussir à la choper, en vrai. Hein.
Derek n'a toujours pas été fait, 9 minutes. Étrange. Ça serait bon, attention. Le pire, c'est que je suis sûr que si j'ai une prise de fight à peu près acceptable, en fait, je peux la tomber, hein. Allez, voilà. GG Shivana, merci à toi. Ça me met plutôt bien, j'en avais vraiment besoin là. Bon, il y a beaucoup de sorts qui ont été lâchés, hein, on va pas se mentir, mais... Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut notre poteau Ikarim là? Je ne sais pas trop. Bon, c'est pas pour autant que je vais pouvoir faire face à Riven, mais parce que j'ai toujours pas de farm. Oh, quoique, 59 et 48, je sais pas comment c'est possible qu'il y ait pas un plus gros écart que ça. À la limite, ça me surprend. Non, elle a raison pour le stuff. Hein. Elle a raison, mais je fais quand même je fais ce que je peux, quoi. Et vraiment, la brillance, ça fait quand même une énorme différence sur Nasus, donc... Arrête-toi, Riven. Normalement, ça passe pas, mais d'accord. Ah, elle doit être folle. Deux ou trois fois que je survie avec l'Ignite comme ça. Bon, ça se passe pas si mal. J'arrive à peu près à faire des choses quand même. Je pense que je vais partir en tabi assez vite. Genre tout de suite en fait, parce que là il y a vraiment trop de DPS AD en face. Bon, la tourelle va prendre un sacré coup, encore au farm je suis pas bien, mais bon, j'ai une team qui est pas mal, hein. Je fais vraiment de mon mieux pour pas être trop derrière et ne pas être le typique Nasus 0-10 sur la top lane qu'on connaît. J'essaye vraiment de pas donner de kill et de revenir comme je peux dans la partie, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec les match-ups comme ça où vous êtes à peine sur la lane, vous faites all-in et vous avez déjà plus de PV, vous devez déjà back en fait, vous pouvez même plus farmer ni rien. Ça me pose toujours un souci. Là, si elle me rush en fait, si elle est là, je me la fais. Putain, j'ai mis deux wards, je suis un peu con. Je suis à 418 pour les coups de buveuse. Pas mal en vrai, hein. Ça commence à venir doucement. On inquiète quand même un peu la Riven. Hein. Là, on va essayer de prendre quelques plaques. Là en fait, si elle veut qu'on se batte, je sais pas ce qu'elle a comme stuff. Ouais, elle a quand même le... En fait, ce qui est ultra chiant, c'est que... Pourquoi je lui mets rien comme ça? A chaque fois en fait, elle me met son combo, je peux même pas la toucher, quoi. Je peux même pas la toucher, donc là elle s'amuse, elle me chie dessus. Je la tombe là, on est d'accord. Bam! Je savais qu'avec une prise de fight correcte, ça passait, j'attendais depuis tout à l'heure le moment où j'allais arriver à le mettre. Ça fait plaisir. Ah, je suis content, putain. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien au nerf. On a récupéré notre honneur, les amis. En fait, comme je savais qu'elle avait plus d'ignite, et que moi j'avais l'ulti, et que il fallait juste que j'arrive à tempo son petit burst là, et après, si le combat dure assez longtemps pour que je puisse proc le conquérant, en fait, après c'est bon quoi, mais...
Le problème de Riven, c'est que vous vous faites éclater, le combat n'a même pas commencé, vous êtes déjà mort, quoi, parce que vous avez pas pu toucher une fois. C'est ça qui est très frustrant. Et là, ça va plus être la même histoire. Déjà, j'ai les tabis qui m'ont vraiment... je pense que ça, c'était vraiment très très bien de les avoir prises. Là, si elle veut revenir, en vrai, elle va encore se faire calmer, peut-être. Putain, c'était pas sur elle que je voulais mettre ça. Bon, j'ai la TP, j'aurais aimé prendre quelques sbires, là j'aurais pu mettre quelques petits coups de buveuse et stacker un petit peu. Pourquoi j'ai ça là, je sais pas. Je peux prendre ça et ça. Je sais que du coup là je pars pas sur une trinité first, mais... En fait, ça va me permettre de tanker un petit peu et d'avoir quand même des dégâts corrects. Là, je pense que je suis pas trop mal, hein. Je peux presque lui faire... À mon avis, il y en avait un, là je la tombe, même si elle a l'ignite. Là, je suis à 35% de délai de récup. Alors là, j'avais dit, hein, pour la Riven, attention. Et moi, je suis trop derrière pour pouvoir me permettre de décaler, malheureusement. J'en suis navré. Il y a une pink dans le bush. Il va falloir que j'aille la déloger. Je vais laisser tranquillement les sbires aller s'écraser sur la tourelle. Moi je prends ça, je me stack la buveuse dessus. Bon, 261 stack buveuse à 16 minutes 30, c'est pas bon, hein, ça suffit pas. Mais je vais pouvoir quand même doucement revenir dans la partie là. La cote, hein, elle a pris du kill de la Riven là, elle a un blue buff, à la limite ça, je m'en fous. Putain, elle me fait lâcher l'ulti dans le vide, ça me rend dingue ça. Et moi je lui mets comme un con, je pensais qu'elle allait fight. En fait, c'est comme ça qu'il faut niquer un Nasus. C'est vous faites claquer l'ulti, et puis après vous attendez qu'il l'ait plus, et vous le lâchez dessus. Donc là je me suis un peu fait niquer, je pensais qu'elle allait vouloir fight à tout prix. Et du coup j'ai lâché l'ulti et c'était pas du tout le bon call. Je vais aller prendre ça. Parce que là en fait tant que j'ai pas l'ulti c'est archi dangereux pour moi de rester sur la lane. Je sais pas pourquoi à 17 minutes le Drake n'est toujours pas fait, ça c'est les mystères. Putain, je pensais que je le finissais. Ah oui d'accord, je pensais pas qu'elle allait arriver sous tourelle aussi vite quand même. Mais là le Drake, je comprends pas. Je comprends vraiment quoi c'est pas c'est quoi le concept de jamais le faire comme ça. Ok, là elle a ulti, alors là je lui ai fait la même chose dans l'autre sens. Vas-y, clean mes sbires en 2 secondes, ça me pose pas de soucis. Attention à la Riven là. Ok, elle est là. Là par contre si elle vient, je la mange. Allez viens Riven, viens te battre. J'ai absolument pas peur de toi. J'ai une buveuse qui grandit. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se bat pas. Oh, ça me rend dingue ces dashs là. Vraiment ça me rend fou. Ça me rend complètement fou. Je peux même pas lui mettre le coup de buveuse quoi. Je peux même pas lui mettre une auto. Ah bah oui. Alors là par contre le Drake vraiment je comprends pas pourquoi tout le monde a l'air de s'en foutre comme ça. Ça fait une heure qu'il est là. Le premier Drake à 20 minutes quoi, c'est... Y a aucun sens. 2700 pour la Trinité. Là je suis un peu exposé quand même, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vision. Elle me rend fou à faire ces allers-retours comme ça là.
combien de temps tu cours, ma jolie? Ah bah oui, je le mana. Je m'en fous, j'y vais. Le mana, putain, le mana, quoi. Je lui mettais un sort, c'était fini. Putain, je suis fou sur ce jeu. Je suis fou, le mana, quoi. Putain, je lui mettais le Z, c'était bon. Ah, ça me rend dingue. Ou même le E, c'était fini, quoi. Ce jeu, ça tilt, c'est incroyable, ça. Putain, perdre un kill pour du mana, quoi. Y a rien de pire. Putain, je l'ai bouffé, quoi. Je l'ai bouffé, c'était fini. Ah, ça me dose. Là, je vais AFK farm le top jusqu'à l'inhib, là. Ah, ça rend fou, ça. Ça rend vraiment fou. J'avais un tout petit peu de mana, c'était fini, quoi. Et après, le Karim, je le bouffais aussi. Bon, ça, ça dégage. Ça, je peux pas prendre pour l'instant. Bon, je vais partir full attaque. Pas me casser la tête. Ah, ça me rend dingue. Je visais l'Age, je jouais comme un débile. Avec mes 40 IPS, là. Ah, putain, c'est chiant. Il y a mes sbires qui vont m'empêcher de la steal, forcément. Vas-y, viens, Riven. Je te vois. Contre, ne crois pas que tu vas m'avoir, hein, parce que là, cette fois-ci, j'ai du mana, en fait, donc je t'explique. Tu vas pas me saouler longtemps comme ça. Mais c'est une blague que j'avance pas comme ça? Putain! Oh, je suis fou. Je suis tellement fou. Ah, il me faut la trinité, en vrai, ça va me faire avancer, mais... Ah, ça rend vraiment dingue, ce truc, hein. Putain, j'ai le slow le plus balèze du jeu sur le Z, je crois que celui de Nasus est le pire. Et impossible de choper une Riven, alors que j'ai mes bots level 2. Ah, ça me rend dingue. Voilà pourquoi je joue au fantôme, en fait, précisément pour ça. Je vais y aller ce tour, en vrai. Ça me saoule tellement en force, là. Je m'en fous, j'y vais. Là, j'ai le tilt avec moi. Ah, MDR. MDR. Ok, je tilt complètement. C'est fini. Karim qui est toujours là, mon équipe qui fait pas de Drake. Aucune tourelle qui a été prise. Je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça me rend fou, je vais aller prendre le raid en vrai. Parce que ne pas pouvoir choper mes kills comme ça, ça me fait chier. Puis j'ai pas de jungler apparemment. Donc, je vais aller choper le raid. Ouais, en vrai, il faut que je me ressaisisse, là j'ai mon mental qui est en train de tomber en ruine, il faut que je me remette dans la partie, que j'arrête de faire le singe. C'est pas bon ça, c'est pas bon, là ça fait deux fois je donne des kills sous la tour en face, parce que ça me rend dingue en fait, de savoir que depuis le début de la partie je suis derrière, j'ai fait en sorte de pouvoir rester dans la partie. Et je peux pas choper mes kills parce que en face les persos avancent à 10 000 à l'heure et je peux pas les choper. Alors que je joue en fantôme plus slow. C'est un peu énervant, forcément. Bon, GG la team, vous avez fait des trucs. Bien. Bah voilà. Ok, encore une Riven qui se balade et qui... qui est intouchable, hein, tout simplement, ça met des stuns, ça fait des trucs, mais... J'arrive. Stressez pas, les potes. Je suis tilté, hein, désolé. Je vais essayer de me ressaisir un peu. Là, on est clairement sur un tilt.
faites les drakes, s'il vous plaît, les drakes. Pourquoi tout le monde s'en tape des drakes comme ça? Ils comprennent que ça fait des bonus qui restent jusqu'à la fin de la partie ou... Je comprends pas pourquoi. Genre j'ai l'impression que moi quand je suis jungler, je regarde que ça. Et là j'ai une jungler, j'ai eu un vieux gank tout pourri et puis sinon voilà. Rien à foutre de ce qui se passe dans la partie, il y a des drakes, il y a des trucs mais on les prend pas. Oui. Tout va bien. Allez, faites-moi ce drake s'il vous plaît. Attention, si vous le faites choper, je suis fou. Quand même, hein. Quand même. Je vais prendre la danse de la mort, même si je sais qu'il y en a plein qui trouvent que c'est pas un bon choix d'item. Moi, ça m'éclate. J'arrive, top. 20 secondes, j'ai la TP. J'ai la TP. Alors là par contre j'ai les gold que j'ai, ça m'amène nulle part, je peux rien prendre, je suis un peu saoulé. Go 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 là non. Ok, ils sont 4, je ne sais pas pourquoi. Putain mon farm quoi, sérieusement. Je m'en fous, j'ai eu hein. Même s'il y a des chances pour que je me retrouve en 1v1000 assez vite. Je sais pas c'est qui en dessous, je m'en fous. Ce sera mon problème si ça vient sur la lane. En attendant, je considère que ça va à peu près. Ok, je suis stun pendant une heure, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est vrai que Yumi, en fait, vous en voyez un, mais ils sont deux. C'est vrai que ce truc, c'est un concept aussi. Bon, je vais tranquillement aller mettre une petite TP bot, on va rester calme. On va les laisser s'amuser à leur rythme. Oh, je suis dans un état de tilt là, mais c'est pas bon ça. Hein. En plus, je joue à 40 IPS, ce qui rend complètement dingue, alors qu'hier j'étais à 130. Parce que j'ai mon PC qui fait de la merde, c'est bien. C'est bien. Je vais réussir à le finir par la prendre la tour, elle tape. Hein. Un jour ou l'autre, il va se passer des choses. Hein. J'aurais peut-être pu TP pour aller avec eux. Bon, trop tard maintenant. Allez, 600 stacks à la buveuse. On peut mieux faire. Bon, là, je one-shot les sbires, c'est bien. J'ai pas eu le gros à la buveuse, je suis saoulé. Allez, ça tombe. Tac, on stack sur la buveuse. On stack sur les tourelles, on est comme ça, d'où on s'en fout. Ah, j'ai FK top, hein, je préviens, mes nerfs sont cassés. Je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas pour ma santé mentale. Voilà, comme ça s'ils finissent pas là-dessus, moi j'arrive après derrière. Voilà, deux tourelles qui tombent. Lui. En fait. Voilà. 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 Allez, ça va tomber. C'est pas grave, on s'amuse. J'ai pris 3 tours quand même. Je suis complètement tilt, mais le pire c'est qu'on va quand même la win. Ça c'est toujours un peu drôle. Je me prends, ouais, c'est beaucoup du dégât physique quand même, hein. il me faudrait ça en vrai. Mais si je pouvais terminer le visage, ce serait bien aussi. Je vais prendre le visage quand même, parce que j'ai déjà pas mal d'armure là, de rien. Et je prendrai... Non, je vais prendre le maillet gelé ensuite. Parce que ça me rend fou de voir des gens qui courent de partout et que je les chope pas. Là, normalement, avec la Trinité, j'ai la vitesse de déplacement, j'ai le passif Rage qui me fait avancer plus vite.
Et avec le maillet gelé, normalement, plus mon fantôme, plus le slow, peut-être que je vais réussir à prendre des kills un jour. Ce serait cool en vrai. Ce serait cool, qui sait. Bon là, clairement, on pouvait finir hein, ces jeux avec eux, mais là, je suis tilt. Voilà, mon cerveau s'effondre, il tombe en miettes peu à peu. Je vais retourner top, hein, moi, je vais aller choper l'inhib top. Hein. Puis une fois qu'il n'y aura plus d'inhib top, je vais aller prendre les deux tours qui restent en bas. S'il vous plaît, faites un peu les objectifs. Ah, cela dit, c'est un infernal. Pourrait valoir le coup. Ok, ils font des trucs là. Ça, c'est très bien. Moi, je suis là tranquille avec mes 45% de délai de récup sur ma buveuse. Je m'amuse, je la farm au calme. Ok, là par contre, peut-être que j'ai fait de la merde et que je devrais être avec eux quand même. C'est bien possible. Ok, c'est cool. En fait, je peux 1v2. Le 1v3, je pense, c'est quand même un peu compliqué parce que, voilà, avec Ekarim et Riven qui mettent des stones, des stuns et des taunts. En fait, ça me. Si je peux pas jouer, c'est compliqué. Ah oui, ils en ont rien à foutre du Drake pendant 20 minutes et puis là, d'un coup, ils se réveillent et il faut que je sois avec eux. Oui. Oui. Allez, avance-toi. Ce moment où tu mets tilt souris dans le chat, tu sais que t'es dans un état. En vrai, là, même s'ils veulent me 1v2, je pense que ça se fait. Hein. Je pense que le Eka Riven, il passe. Hein. Ouais, peut-être que je gride un peu, mais... Allez, go. J'arrive. Oh, putain, mais ça me rend dingue. Pourquoi elle prend pas de dégâts, elle? Voilà. Toi, je te bouffe, toi. Pourquoi je suis tout seul? Bah, je sais pas, il y a pas une Tristana qui se bat avec moi il y a 2 secondes. Ok, je suis tout seul. Bon, très bien. Très bien, c'est pas grave, j'ai la TP, dès que je repop, ça ira nickel. J'ai dit, maillet gelé. Okay, bon là, c'est moi qui fais nimp, hein, forcément. Limite, n'allez pas vous donner un par un, peut-être. Non, en vrai, il suffit que j'arrive à caler une TP dans leur camp, c'est fini. Bon, ils ont... Ça aurait été bien qu'il y ait une petite ward qui se balade dans leur camp, éventuellement. Moi je vais y aller par le bot, je vais aller prendre les deux tourelles qui restent. En fait, bon là je fais de la merde, hein, je troll depuis tout à l'heure. Mais il suffirait... Je suis même pas sûr qu'ils fassent le baron en vrai. Moi je vais aller tranquillement chercher... là, cette Riven. Arrête-toi Riven, tu m'auras pas. Elle veut vraiment pas comprendre en vrai. Hein. C'est bien, je te mange aussi. Alors là, par contre, le 1v1000, s'il vous plaît, au bout d'un moment, du calme quand même. Finissez là, je l'ai tampon pendant 1 heure. Oh là là, ça me fait chier. Ok. Allez, c'est free double inhibe. Bon, en vrai, il faut que j'arrête de faire le con. Il suffit juste que je prenne un peu quelques facts avec eux, c'est fini. Hein. Mais là, il a 8000 en fait, je sais pas ce que ça fait. C'est assez perturbant d'avoir un truc inconnu comme ça. C'est assez embêtant. J'ai pris quoi? J'ai du dégât brut qui sort, mais je sais pas trop c'est quoi. Des runes. Étrange. Alors, par contre, ça c'est encore plus con que ce que je fais d'aller se donner comme ça. Bon, moi je suis Nasus, à la limite, je peux tester des trucs et prendre des kills, mais Tristana qui est toute seule, là je comprends pas.
je ne comprends pas. Allez, go, go, go. J'y vais. La Riven, elle doit être tilt du nombre de fois où je l'ai bouffé. Allez, là, c'est parti, on se les fait. Vas-y, go, hein, je suis pas d'un de deux. Nous deux, on les plie. C'était quoi ça? Okay, je me suis pris un missile, missile guidé. À l'aide. Il se passe quand même des choses bizarres là. Hein. Est-ce qu'on est 5? On est 5 si la Tristana revient. Qui est-ce qu'il faut focus? Il faut focus. Ez et Rumble éventuellement. Plutôt Ez quand même à choisir. Bon, je me fais éclate, je sers à rien, j'ai horreur de ça. Je joue à 30 IPS en fight, c'est génial, j'adore ce jeu. On a un Drake dans 10 secondes, mais tout le monde s'en fout. Tout va bien les potes. On y va ou pas? Il y a peut-être un petit trap, hein, mais... Ensemble on fait des trucs, non? À l'aide, je cours. Bon, je vais aller top. J'aurais peut-être pu faire encore un peu des trucs là, mais bon, je sais pas ce que j'ai hésité, c'était à chier. J'aurais peut-être dû rester en allant sur Riven, on aurait pu faire des choses certainement. Mais j'ai besoin de farm. On n'a pas failli check le buff, on a vu avec le trinket rouge là qu'il y avait quelqu'un dedans. On a choisi d'y aller, c'est pas pareil. Rien à voir. Par contre, je sais pas pourquoi ils vont fight là-haut. Ça, faudra m'expliquer. Là, en fait, il faut coller aux tourelles et attendre de pouvoir défendre à peu près. Moi, je vais continuer, moi, en vrai. Il me faut 1750 pour mon maillet gelé. Presque, je vais prendre le red buff comme ça on sera en mode red buff maillet gelé, ce sera nickel s'il est là bien sûr. Ok, cool. Oh, les coups que je mets c'est génial, ça peut faire des surprises quand même, hein. En vrai faut que j'arrête de fight avec eux, faut juste que j'aille mettre de la pression sur les lanes, bien mieux, vraiment bien mieux. Il va falloir plaque du mort aussi assez vite. Allez, je vais retourner top, hein. Moi je vais aller prendre les inhibs. Ouais, faudrait peut-être que j'aille bot en fait. Ah, mais le problème c'est que là, si je suis pas avec eux au mid, ils vont se faire éclater. C'est ça qui fait chier, mais. Faudrait. Ah, là, le problème c'est que là, comme ça, en fait, je farme pas quoi. Et un Asus qui farme pas, c'est un Asus qui est pas bien. Parce que là, je suis énorme en vrai. Hein. Je suis vraiment énorme, hein, mais. En 5v5 comme ça, je suis pas vraiment sûr qu'on puisse... Moi je suis chaud d'y aller, hein, très franchement, mais... Putain, j'ai joué à 20 IPS en fight, quoi. Vous inquiétez pas, ça, en prochaine vidéo, ce sera réglé, mais... Et là, c'est quand même pas pratique, hein. J'ai envie de TP bot. Déjà, je vais aller récupérer un peu de vie en plus. Ce sera toujours ça de prix. En vrai, je go TP bot. Hein. Là, je vais aller prendre les inhibs, hein, parce que là, à chaque fois, il se passe rien. Si on fight, on se fait ouvrir. Oh putain, je le finis pas. Je suis un chien. Je suis désolé, j'ai pas assez d'IPS pour venir fight en fait, tout simplement. Un ennemi est là.
Putain, je sais pas la stit, ça me gave. Ça me gave tellement. Ils sont tous morts là, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, putain? Non mais j'y vais moi. S'ils arrivent à def en vrai. Putain, je vais devoir y aller en vrai. Pourquoi ils se sont rendus, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, c'était tilt total, hein. Ça c'était la game du tilt, hein. Vous inquiétez pas, tout va bien. Et écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que je suis attentif à organiser mes vidéos en playlist thématique que vous trouverez facilement sur ma chaîne. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez le lien en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.